Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. Le thème du jour est les anciens géants qui habitaient sur Terre et qui gouvernaient le monde. La Terre a été visitée d'innombrables fois par des lignées extraterrestres qui y ont laissé leur influence et qui coexistaient librement. Parmi ces races, il y avait les Atlantes, qui viennent non pas de l'Atlantide, qui était d'origine reptilienne, mais du système solaire Atlas, dans la constellation du Taureau M45 et l'amas des Pléiades. Ce sont quelques-uns de ceux qui sont appelés des géants, et ils coexistaient avec d'autres races qui étaient également très grandes. Ceux qui sont représentés sur les tablettes sumériennes étaient apparemment des reptiliens représentés comme de grands hommes barbus. Cependant, les Atlantes des Pléiades ont également des barbes et une taille similaire, ce qui rend difficile de suivre et d'expliquer ce moment historique avec précision. Les Pléiadiens Atlantes mesurent de 2,50 m à 3 mètres de haut. Leur peau est de couleur cuivrée. Ils ont des cheveux et une barbe brune ou noire, des yeux bleus, verts ou marrons. Les Pléiadiens Atlantes, et non pas les Atlantes de l'Atlantis, ont influencé plusieurs zones d'Amérique du Sud. Leur dernière visite remonte à il y a 600 ans, dans la région qui est aujourd'hui le centre du Mexique, Tula Hidalgo, Atlantes, mais ils ne sont pas revenus depuis. Parmi les races présentes à cette époque, il y avait aussi les Pléiadiens de Céléano et des colonies andromédiennes qui s'étaient installées dans la région qui est aujourd'hui l'Inde et le Pakistan. Ces deux races étaient très grandes. Les Andromédiens font de 2,40 m à 2,70 m et tout autant que les Pléiadiens de Céléano. Ces races ont semé de nombreux concepts qui serviront, les Andromédiens notamment, qui serviront plus tard de base à l'enseignement du Bouddha. De nombreux dieux bleus, comme Shiva, étaient des extraterrestres et Shiva est encore vivant, d'après ce que m'a dit Zen. Ils étaient simplement des extraterrestres de la branche génétique d'Andromède qui a la peau bleue. De plus, les écritures, comme le népalais, sont préservées avec jusqu'à 90% de similitudes avec la symbologie et l'écriture de la langue moderne andromédienne extraterrestre. Plus récemment, dans l'actualité, pendant l'occupation américaine de l'Afghanistan, de 2001 à 2021, de fortes rumeurs se sont répandues à travers les réseaux sociaux, selon lesquelles des soldats américains étaient entrés dans des grottes profondes et avaient combattu des géants.